Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bonsoir, alors j'espère que tout va bien chez vous. Moi, ça va par la grâce de Dieu. J'ai la santé, tout va bien. Alors, je sais que vous reconnaissez certainement cette voix, Justin Stanislas qui nous a quittés. Alors, je lui rends hommage à ma manière. Donc, Natoa de Justin Stanislas, comme on le dit généralement, un artiste ne meurt jamais. C'est pourquoi dans la vie, il faut poser des actes. Quand vous posez des actes, vous restez, peu importe le temps, vous resterez toujours dans le temps. Alors, soyons tous des artistes pour rester dans le temps. Alors, Justin Stanislas, ben, qui nous a quittés. Franchement, papa, là où tu vas, que le Seigneur te reçoive et merci pour tout ce que tu as fait sur cette terre des hommes, où tu es venu jouer ta pièce de théâtre comme tout le monde le fait. Et tu nous as laissé franchement de belles mélodies. Nous allons toujours en profiter. Ça va nous servir, ça va nous bercer. Et moi, quand j'écoute Justin Stanislas, ça me rappelle ma jeune enfance. Ça me rappelle mon père. Ça fait mon père. Ça me rappelle toute ma petite enfance en Côte d'Ivoire. Et ça me rappelle, ouais, le grand frère, le papa Benguis qui venait avec des pantalons cuits. On était tellement fiers de voir. C'est nous tous en rêvait de Beng. Donc, c'est une grosse, grosse, grosse histoire. Et c'est une grosse perte pour la musique ivoirienne. En tout cas, Yako à la famille de Justin Stanislas. Yako à toute la famille des artistes ivoiriens. Yako, en fait, à tous ses enfants. Et Yako à tout le monde, franchement. Que son âme repose en paix. Alors, Justin Stanislas, et on va commencer. Donc, comme je vous ai dit, apprenons à guérir de nos blessures intérieures. Tu veux avancer et tu es encore blessé. Mais comment tu vas avancer? Si tu veux avancer, ça veut dire que tu libères. Quand tu libères, l'avancement est là. Mais si tu ne libères pas, il n'y a pas d'avancement. Toute personne qui aura toujours quelque chose enfoui en lui n'aura jamais la possibilité ou bien la facilité de rentrer dans sa bénédiction parce que quelque part, il est bloqué par tout ce qui s'est passé dans sa vie. Alors, libère-toi pour pouvoir avancer et rentrer dans ta bénédiction. Justin Stanislas, et envoie la vidéo à quelqu'un et invite-le. Bonsoir Valérie. Personnellement, ce morceau me parle parce que les quand on était petit, on en rigolait à la folie. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, je serais là en train de rendre hommage à ce grand, à ce dinosaure de la musique ivoirienne. Franchement, Yako, Yako, Yako à la musique ivoirienne. Yako, franchement, ces temps-ci, c'est tellement compliqué que beaucoup d'artistes nous quittent pour l'au-delà. En tout cas, que Dieu vous accompagne et que la paix de Dieu soit avec vous. Et que franchement, tous vos péchés soient pardonnés. Et que Dieu seul vous récompense de tout ce que vous avez pu accomplir sur la terre des hommes. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi on dit généralement, aimons-nous vivants. Parce que le jour que, en fait, la mort frappe à la porte de ton ennemi, ou bien de ton ami, ou bien de ta femme, de ton mari, de ton enfant, de peu importe, il n'y a pas de sacrifice à faire. Il part, il est parti. Donc, aimons-nous vivants et pardonnons-nous, quelles que soient les erreurs que quelqu'un pourrait faire. Peut-être qu'il a fait exprès, il l'a fait sans vouloir le faire. Il faut franchement pardonner un moment. Ha! Apprenons à guérir de nos blessures intérieures. Apprenons, mes chers frères et sœurs, apprenons à guérir de nos blessures intérieures. Je sais que ce n'est pas facile, hein?
Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça veut dire, ce n'est pas du tout facile de se rappeler tous les jours que Dieu fait, de ce qu'on nous a fait. Ah bon, il est vivant, maman? Mais on nous a dit qu'il est décédé. Donc, entre il est vivant, il est mort, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, on n'est pas là. J'aurai le temps de vérifier, mais j'ai vu du RIP, beaucoup de RIP. Donc, pour nous, il n'est plus de ce monde. Mais s'il est encore vivant, gloire à Dieu. Pour moi, ça sera encore bon. Parce qu'il mérite de vivre encore. Donc, nous allons penser nos blessures intérieures. Vous allez croiser souvent des personnes dans la vie qui sont des bonnes personnes. Vous-même, vous êtes des très belles personnes. Mais il arrive un moment, vous virez. Le comportement change. Des rires, ils virent aux pleurs. De la joie, ils virent à la haine. De se réveiller très tôt le matin et d'être heureux, mais ils virent à la tristesse. Et ça, c'est dû à beaucoup de choses. Oui, nous sommes dans un monde où nous vivons avec aussi des humains. Parce que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des animaux. Et ce qui veut dire que nous nous retrouvons souvent avec des personnes qui nous ont fait du tort hier. Des personnes à qui... En fait, on n'a pas voulu, à qui on n'a pas fait du tort. Mais qui l'ont fait, qui nous ont fait tellement de choses que des fois, quand on est là, on n'a même pas envie de pardonner. On n'a pas envie de revoir ces personnes-là. On attend juste que la personne se présente et que l'occasion se représente pour qu'on puisse réagir. Oui, beaucoup de personnes sont blessées intérieurement. Beaucoup de personnes ont des fardeaux intérieurs qu'ils ne pourront jamais extirper. C'est ce qu'ils croient. Mais moi, je pense que c'est faux. Parce que dans la vie, quand tu dis que quelque chose m'a fait mal et que tu as envie d'avancer, tant que tu ne le sors pas, ta vie ne sera pas comme tu veux. Parce que chaque fois que tu voudras avancer et que tu revois cette scène, qu'elle te remonte à la surface, tu deviens une autre personne. Tu rentres tout de suite dans la haine. Tu rentres tout de suite dans le « je ne peux pas pardonner ». Tu rentres tout de suite dans « non, c'est terminé ». Là, là, ma vie s'arrête ça. Et au fur et à mesure... Tellement on a vécu des choses. On a vécu la méchanceté de part et d'autre. Des personnes qui nous ont trahis un jour. Des personnes auxquelles on n'avait pas pensé. Des personnes qu'on a vraiment aimées de notre vie. Comment tu peux t'asseoir et aider un homme à devenir ou une femme à devenir et puis elle va t'abandonner un soir? Ça, c'est la plus grosse des blessures que notre humain peut, en fait, pourrait endosser. Mais oui, je comprends. Il nous arrive des fois où ta mère n'était plus ta mère est partie. Tu es resté avec la belle-mère. La belle-mère, en tant que femme, elle sait qu'un jour, elle aura des enfants. Oui, elle a eu des enfants. Au lieu de bien te traiter, mais elle te fout la misère, la plus dure des misères du monde. Depuis que tu es né, tu n'avais jamais vu ça. Mais cette femme-là, tu l'as montré. Il arrivait des fois où tu as connu un ami à qui tu avais confiance. Cet ami-là, tu as dit, non, tout le monde peut m'abandonner, sauf cet ami-là. Et puis un jour... Trahison totale. Et tout ça, tu le gardes dans ton cœur. Je ne suis pas venu te dire ce soir ici que c'est facile. Hein? De dire oui, il faut laisser tout de suite tout ce qu'on t'a fait pour que tu rentres dans ta bénédiction. Non, moi je suis venu te dire à toi, il faut te pardonner à toi-même. Parce que quand tu vas te pardonner à toi-même, tu vas pardonner à ceux qui t'ont fait des erreurs. Parce que si tu ne pardonnes pas et si tu ne te libères pas, mais tu ne rentreras pas dans ta bénédiction. Tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul, hein? Nous tous, nous avons vécu ça. Et nous vivrons ça. Sur la terre des hommes, là, il n'y a rien qui est acquis. La personne qui se trouve devant toi aujourd'hui, là, il peut devenir ton ennemi premier demain. Et ça, ça ne va pas chauffer pour aller quelque part. Mais c'est Dieu qui nous garde. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as connu la pire atrocité, des choses auxquelles tu n'as pas pensé, des personnes auxquelles tu n'as pas rêvé qui pouvaient te détruire ta vie, des personnes auxquelles tu t'es confié, tu étais là. Des personnes pour lesquelles, vents et marées, tu as bataillé pour qu'ils soient où ils sont. Et un matin, ils t'abandonnent comme ça pour n'importe quoi, pour des raisons inconnues. Et ils partent. Ah, il n'y a pas plus méchant que ça. Il n'y a pas plus malheureux que ça. Et ça même, ça mérite même d'être gardé dans le cœur. Ça mérite même d'attacher cette personne. Ça mérite même de lui faire du mal. Oui, si je le dis, parce que quand tu es dans la... Quand tu te sens trahi, tu as de mauvaises idées, tu as de mauvaises pensées, tu te sens très mal, tu te sens diminué, tu te sens devenu petit. Pour les hommes même, leur H là est devenu même peut-être le A. Parce qu'ils se disent, mais c'est pas de moi on parle. Mais cette personne, je lui ai tout donné. Il ne peut pas me trahir comme ça. Mais cette femme, je l'ai mise à l'école. Elle ne peut pas me trahir comme ça. Mais j'ai tout fait. Au moment où mes parents même ne voulaient pas là, je me suis battue. J'ai fait vents et pieds. Je suis restée là parce que je voulais d'elle.
Et aujourd'hui, elle me trahit comme ça. Mais c'est une blessure qui ne pourra jamais se penser. Et on a vu des personnes, en tout cas, qui ont fait des... Il y a tellement d'exemples dans le monde que je ne peux pas en citer. Mais est-ce que tu devrais t'arrêter sur ça? Tu as eu ton temps de colère. Tu as eu ton temps de haine. Tu as eu ton temps où tu ne pouvais même pas... Ce n'était pas possible qu'on te parle de ça. Ce n'était pas possible que quelqu'un te raisonne. Quelqu'un te raisonne. Parce que tu étais dans ton élan. Parce que généralement, quelqu'un qui n'a pas demandé, mais quelqu'un qui n'a pas fait du tort, quand il se sent délaissé ou abandonné, c'est une plaie qui ne se guérit pas facilement. Oui, je te comprends. Je sais que tu as été lésé quelque part. Je sais que tu as été humilié quelque part. Je sais que les gens t'ont pris pour un bon à rien quelque part un jour. Je sais qu'au moment où tu avais besoin des gens, les gens n'étaient pas là pour toi. Au moment où tu avais besoin que l'oncle te dise que demain sera meilleur, il ne te l'a jamais dit. Je comprends qu'un jour, tu avais besoin d'un verre d'eau, quelqu'un ne te l'a pas donné. Et ça t'a frustré. Et ça t'a blessé. Et ça t'a anéanti. Et ça t'a arraché le cœur. Et ça t'a dit que tu n'avais pas de valeur. Je comprends. Je vais dans ton sens. Je vais dans ton sens parce que moi aussi, un jour, j'ai été blessée. J'ai été frustrée. J'ai eu mal au cœur, aux personnes. J'ai été trahie même jusqu'à ma chair. J'ai pas cru à ça. Mais je l'ai accepté un moment de ma vie. Ça m'a pris du temps, je vous dis. Aujourd'hui, ça te prend du temps. Ça te prend beaucoup de temps. Des fois, tes journées sont rythmées par ces mauvaises pensées-là, par ces douleurs que tu n'as jamais pu extirper de ton cœur. Je te comprends parce que c'est des douleurs qui sont intérieures. C'est des blessures qui n'ont jamais été pensées. C'est des blessures où peut-être que tu avais envie de parler à quelqu'un, mais tu n'as jamais eu l'audace. Parce que quelque part, comme tu n'étais rien, et chaque fois que tu voulais dire un mot, on dit ferme ta bouche parce que tu n'as pas le droit de dire un mot. Et tu as continué à te taire. Tu as continué à tout garder intérieurement. Tu as continué à tout garder parce que tu te disais que toutefois, on m'a dit que je n'étais rien. Donc, pourquoi parler? Même quand ta vie change, tu gardes ces choses-là en toi. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de ça. Beaucoup de personnes ont envie de parler, mais ils ne savent pas à qui parler. Beaucoup de personnes ne savent pas comment faire pour se séparer de toutes ces douleurs-là. Beaucoup de personnes ont été humiliées, ont été trahies, ont été blessées dans leur chair. J'appuie dessus parce que mon histoire ne sera pas ton histoire. Mais nous sommes sur la terre des hommes. Nous sommes tous des humains. Nous avons été humiliés un jour. Nous avons eu mal quelque part. Des personnes nous ont fait du mal. Certainement, nous avons aussi fait du mal à quelqu'un un jour. Mais ma seule question, est-ce que tu devrais continuer avec ces fardeaux-là toute ta vie pendant que tu n'as qu'une seule vie? Je suis venu ce soir te dire que si tu as été blessé dans ta chair, si quelqu'un t'a humilié et que des fois il a mis ton cerveau off parce que ce qu'il t'a fait, ton cerveau n'arrivait pas à le supporter et que ton cerveau est parti quelque part off un jour, désactive le off. Mets ton cerveau en service. Remets-le en marche. C'est important pour toi et ça serait important pour l'autre. Parce que généralement, tout ce qu'on garde dans le cœur, on n'a pas le temps de le dire à l'autre que tu m'avais blessé. Et même des fois, quand on se retrouve dans des positions de défaillance, quand tu essaies de te dire, de dire à l'autre, regarde, tu m'as blessé, il banalise la chose. Je l'explique bien parce que je vous dis, moi aussi je l'ai vécu. Mais aujourd'hui, je me suis décidé de m'en séparer totalement. Je me suis décidé de m'en laver les mains totalement pour rentrer dans ma bénédiction. Parce que tant qu'il n'y a pas de place dans le cœur, mais la bénédiction ne rentrera pas. Tu vas faire un travail sur toi. Le travail sera que tu vas apprendre à te libérer personnellement. Tu vas apprendre à laisser tout ce que les gens t'ont fait hier. Tu vas apprendre à te dire, c'est vrai, on m'a fait du tort. C'est vrai, on m'a humilié. C'est vrai. J'ai été blessé dans ma chair. C'est vrai qu'on m'a refusé un jour un verre d'eau. C'est vrai qu'un jour, je n'ai pas cru à ça, mais mon esprit a été tellement touché dans ma que je n'ai pas pu comprendre ce qui m'arrivait. Mais il faut que je pardonne.
Il faut que je me soigne. Parce que tu as besoin d'être soigné, personnellement. Ce que nous n'avons pas compris, tout ce que nous gardons dans le cœur, la personne qui vous a fait du tort, de ces personnes-là, ils ne savent pas ce qu'ils vous ont fait. Hein? Ils sont dans leur élan. Ils continuent leur vie. Mais toi et moi, nous souffrons. Nous continuons notre vie à souffrir parce que nous avons le cœur chargé. Et des fois même, on entreprend des choses, mais tant que cette chose-là qui est en nous remonte, mais on devient comme des fauves. Vous verrez des personnes qui sont là, mais d'un quart de tout, qui vont s'énerver de tout. Parce que hier, c'était des personnes qui ont été frustrées. Vous verrez des personnes qui ont manqué de confiance en elles parce qu'on leur a dit toute la vie qu'elles étaient des vilaines femmes ou des vilains hommes, qu'elles n'étaient pas belles du tout. Vous verrez des personnes à qui on a dit « Tu ne seras rien de ce monde. Tu n'auras aucune valeur. Tu ne seras rien parce que ta mère n'est rien et ton père n'est rien. Alors toi, tu n'as même pas la chance de devenir. » Oui, sur la terre des hommes, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui nous font du tort. Il y a beaucoup de personnes qui vont jusqu'à piquer ton cœur. Il y a beaucoup de personnes qui vont jusqu'à trancher ta chair, jusqu'à découper tes os. Mais dis-toi bien, la personne n'est pas plus forte que toi. Peut-être il fut un moment où elle t'a eu. Il fut un moment où elle t'a touché dans ta chair. Mais il faut rebondir. Ce soir, je suis venu te dire, oui, tu as été blessé. Tu as été touché dans ta chair. Tu as été humilié. Tu as été touché. Tu as connu peut-être toutes sortes de blessures. Des blessures affectives. Des blessures amoureuses. Des blessures de famille. Des blessures où les amis t'ont trahi. Des blessures où des gens t'ont diminué, t'ont ridiculisé. Des blessures où à ton travail, tu avais de la valeur. Mais ton patron ne voulait tellement pas te voir que... Mais il t'a humilié devant tout le monde. Il a même douté de ton diplôme. Mais mon cher frère, ma chérie, t'as eu ton temps de colère. T'as eu ton temps de réflexion. Aujourd'hui, je te demande de te penser personnellement. De te guérir personnellement pour mieux avancer. Parce que tu as des capacités pour mieux avancer, pour réussir ta vie ou réussir dans ta vie. Mais comme tu es chargé, des fois, il t'arrive où tu ne peux pas aller plus que ce que tu fais. Et vu que tu as été tellement touché, quand tu rencontres ces personnes-là, ou bien de différentes personnes, et que ça ressemble à ce que tu avais vu hier, mais ça te bloque dans ton élan. Oui, j'en parle bien parce que ça m'est arrivé. Des personnes où on t'a dit, mais franchement, quand vous vous exprimez, on n'entend pas ce que vous dites. Mais quand vous arrivez dans le milieu, quand vous posez une question, vous avez peur de parler parce que vous vous dites quoi? Peut-être qu'il n'entend pas ce que je dis. Mais ce n'est pas vrai. Les blessures, Dieu nous met beaucoup de barrières. Les blessures, Dieu font que nous finissons par nous abandonner et nous détester. Les blessures, Dieu font que aujourd'hui, mais nous ne voulons pas prendre le taureau par le col parce qu'on s'est dit, est-ce qu'en le faisant, je pourrais être meilleur que ce que quelqu'un a dit hier parce qu'on m'a dit que je ne peux rien faire et que je ne pouvais rien devenir. Les blessures, Dieu nous mettent des freins. Et parfois, on a les pieds lourds, on ne peut plus avancer. Moi, je te dis, le rejet d'hier, tu peux le guérir. L'abandon d'hier, tu peux le guérir. Les injures d'hier, tu peux les guérir personnellement. C'est vrai qu'il te faut un gros travail. Parce que moi, Diane qui parle là, ça n'a pas été facile. Parce que chaque fois que je me permettais de dire, non, c'est vrai qu'il y a ici, il y a eu ça, mais je vais pardonner. Non, cette nuit-là, je ne dors pas. Ça venait me dire dans la tête là-bas, là, la petite parole là. Pourquoi tu vas laisser? Toi à qui on a fait ça, mais pourquoi tu veux laisser? Il faut aller contre eux. Ou bien essaie de devenir pour aller contre eux. Oui, il y a beaucoup de personnes dans la vie qui forcent à devenir parce qu'ils veulent aller combattre ceux qui l'ont fait du tort hier. Mais ça ne vaut pas la peine. Il faut apprendre à pardonner. Je suis venu te parler du pardon et de ta guérison. Il faut te guérir personnellement. Il faut te guérir pour pouvoir mieux sauter. La vie est belle. Il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de choses que tu peux avoir que tu n'avais pas eu hier. Mais par ta force et par ton courage, il y a beaucoup de choses que tu peux aujourd'hui faire que la personne qui t'avait ridiculisé hier ne pourra même pas faire. Il y a beaucoup de choses que tu peux avoir aujourd'hui si tu pardonnes et que tu penses tes blessures, les humiliations d'hier, tu peux les effacer personnellement. Et ces personnes-là seront tellement surpris.
Mais d'abord, fais-le pour toi. Fais-le pour toi parce que la guérison, c'est d'abord toi. Si tu libères ton cœur. Mais il n'y a pas de raison que des tensions montent quand tu crois cette personne-là en chemin. Beaucoup de personnes se font des maladies parce que le cœur est chargé. Et généralement, vous savez, je vais vous dire un truc. Le stress que vous voyez là, le stress. Mais je vais dire que c'est une maladie ou bien c'est quelque chose aujourd'hui qui crée beaucoup de maladies dans la vie des hommes. Le stress qui est dû aux plaies qui sont intérieures, qui ont dû ne pas pardonner, qui sont dus au fait que quelqu'un m'a fait quelque chose. Je ne laisse pas. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi autant d'injustice? Pourquoi autant de trahison? Il y a un temps pour se poser des questions. Il y a un temps pour être en colère. Il y a un temps pour ressasser son passé. Il y a un temps pour ressasser toutes les humiliations. Il y a un temps pour ressasser les trahisons. Mais est-ce que tu passeras toute ta vie à énumérer tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été difficile que quelqu'un t'avait fait un jour? Est-ce que tu passeras tout ton temps à dire que oui, hier, il m'avait fait ça, Paul et Jacques m'avaient fait ça, François m'avait fait ça. Je sais que ce n'est pas facile de pardonner. Je sais que ce n'est pas facile de se séparer de toutes ces choses, surtout quand on a raison. Je sais. Mais il te faut te penser. Il te faut guérir ta blessure. Il te faut guérir ton cœur pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Parce que sans guérison, il n'y a pas de bénédiction. Sans guérison, tu vas tourner en rond, mais tu ne rentreras jamais dans ta bénédiction. Ça, je l'ai compris et je te le dis à toi. Ce soir, je ne sais pas dans quelle galère tu es. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a autant offensé dans la vie comme ça. Je ne sais pas quelle injustice qui t'a fait autant de tort. Je ne sais pas quelle trahison qui a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, peut-être tu es couché et que tu n'as même plus envie de vivre la vie. Je ne sais pas. Mais pardonne. Pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas et que tu ne te libères pas, mais tant que tu vis, il y aura toujours des trahisons. Il y aura toujours des injustices. Il y aura toujours des personnes qui vont te prendre de haut. Il y aura toujours des personnes qui vont même pas considérer ton travail. Il y aura toujours des personnes qui vont te minimiser. Il en aura toujours dans la vie. Alors toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, pardon, s'il te plaît, si tu m'écoutes, libère ton cœur. Libère ton cœur. C'est vrai. Chacun a ses douleurs, chacun a ses peines, chacun a ses difficultés et chacun a sa vie et chacun a sa vision et chacun a eu son passé. Les vies ne vont pas se ressembler. Mais des fois, quand on s'explique, il y a quelque part des similarités parce que nous sommes des humains. Alors, je veux que tu penses ta plaie. Je veux que tu penses ta plaie. Je veux que tu libères ton cœur. Je veux que tu laisses ce fardeau-là qui t'empêche d'avancer, là. Ce fardeau qui fait que tous les jours, tu vas ruminer. Lui, on m'a fait ça. On m'a pas fait ça. Il m'a fait ça. Il m'avait pris ça. Je l'ai mis à l'école. Aujourd'hui, il m'a fait ça. C'est un homme, il n'avait rien. Et puis, aujourd'hui, par ma grâce, il est devenu quelqu'un. C'est comme ça. Oui, je comprends. Quand une femme se bat aux côtés d'un homme, c'est pour pouvoir mourir avec lui toute sa vie. Mais si ça n'a pas été ton cas et que la vie t'a trahi, et que l'homme t'a trahi ou la femme t'a trahi, mais pas pour autant tu vas mourir. Il faut au contraire te libérer et faire plus que ce qu'il aurait pensé. Tu es né pour accomplir des grandes choses. Des fois, des personnes se couvrent parce qu'ils sont tellement enivrés par la colère. Le cœur n'est pas libre. Ils se couvrent. Halte au feu. Personne n'arrive ici. Des fois, vous rencontrez des gens dans la vie. Quand vous lui dites bonjour, son sourire est difficile. Bonjour. Le cœur chargé. Peut-être que quelque part, quelqu'un lui a fait du tort. Donc quand elle voit les gens, elle préfère se couvrir un rideau noir pour ne pas que quelqu'un l'approche. Mais tu penses que tu pourrais vivre comme ça combien de temps, chérie? Combien de temps tu pourrais vivre comme ça? Combien de temps tu vas te mettre des barrières parce que hier on t'avait fait du tort? Combien de temps? Or, si tu apprends à te guérir personnellement, tu verras qu'il y aura de nouvelles personnes qui vont t'approcher. Tu vas apprendre encore de nouvelles choses. Tes barrières vont devenir des vannes qui vont s'ouvrir comme ça et que de nouvelles personnes rentreront dans ta vie. On ne souffre pas éternellement.
Mais pour pouvoir rentrer dans cette bénédiction et accepter ces nouvelles personnes, il faut déjà se libérer le cœur. Oui, il faut reconnaître. J'ai été blessé hier. Quelqu'un m'a blessé hier. Quelqu'un m'a fait du tort hier. Mais je vais me libérer parce que je dois vivre. Je vais me libérer parce que je dois rentrer dans ma bénédiction. Je vais me libérer parce que j'ai besoin de vivre avec des gens. Je vais me libérer parce que, oui, dans la vie, on fait des rencontres. Mais ce n'est pas toutes les rencontres qui sont mauvaises. Certainement, ce jour-là, tu avais fait une mauvaise rencontre. Certainement, ce jour-là, il y avait des personnes qui étaient prêtes à te détruire. Mais si tu n'es pas morte, je pense qu'il y a encore du rebondissement. Alors pardonne-toi toi-même. Libère ton cœur. Fais-toi grâce à toi-même. Donne-toi un peu de chance encore. Libère ces personnes-là. Parce qu'ils ne seront jamais qui t'ont fait mal. Mais c'est toi qui souffres. Tous les jours, tu rumines. Tous les jours, tu rumines. Tu es là. Tu as mal. Mais personne ne sait. Oui. Beaucoup de personnes souffrent de ça. Beaucoup de personnes se sont mis des garde-fous. Parce qu'ils ne se sont jamais séparés de tout ce qui était difficile. Mais nous devons vivre. Ce que je suis venu te dire ce soir, tu es une très belle personne. Tu es une très belle personne. Peu importe ce qu'on t'a fait, il faut arrêter. Il faut arrêter de te mettre une balle dans les pieds. Il faut arrêter. C'est compliqué, je sais. Pardonner n'est pas facile. Moi, Diane même qui parle, pardonner là, ce n'est pas facile. Mais si tu ne pardonnes pas, si tu ne te penses pas les plaies, ta douleur intérieure là, si tu ne la sors pas, tu ne la soignes pas, mais ça va toujours continuer à gangréner, ça deviendra un cancer. Et au plus long du temps, c'est toi qui perdras parce que la personne ne saura jamais qui t'avait fait autant du tort. La personne est prête à te faire du mal, il te l'a fait, il est parti. Donc toi, personnellement, tu dois te libérer et te donner une autre chance. T'ouvrir à la vie et dire merci à la vie parce que je suis encore là. Et merci parce que tu vas me donner encore de nouveaux, des opportunités peut-être que je n'avais pas eu hier. Merci parce que je respire, je vis et je me sens bien. Alors cela veut dire que c'est une nouvelle chance. Donc libérons-nous au maximum. Pensons nos blessures au maximum. Les blessures que nous avons intérieurement de nous vont commencer à nous gangréner si nous ne nous libérons pas. Les blessures vont nous mettre dans la limitation de notre vie. Les blessures vont faire de telle sorte que nous ne pourrons jamais mais rentrer dans notre bénédiction parce que le cœur il est chargé. J'ai beaucoup vu des gens qui ont préféré se barricader parce qu'ils ne voulaient plus être blessés. J'ai beaucoup vu des gens qui ont préféré même ne plus jamais fréquenter des gens parce qu'ils ne voulaient pas être blessés. J'ai aussi vu des gens qui ont préféré même ne pas approcher des gens pour ne pas être blessés. Je te comprends. Je ne minimise pas ta colère. Je ne minimise pas ta douleur. Mais je suis venu te dire ce soir. Il faut te pardonner. Il faut faire un tour sur ta vie. Il faut regarder ce que tu as accompli et ce que tu n'as pas encore accompli. Il faut savoir qu'il y a des choses que certainement que tu as toujours voulu, mais tu n'as pas encore accompli. Parce que une fois que tu prends l'engagement de le faire, il y a cette haine d'hier là. Quand ça te remonte, tu deviens féroce. Alors il faut se libérer le cœur. Il faut se libérer de tes blessures. Et pense à ta guérison. Pense à tes pensées, toi-même ta plaie. Et prends la vie simplement. Comme elle est. Prends la vie simplement. Parce que l'autre ne verra jamais ta blessure. Parce qu'il arrive des fois où certaines personnes n'arrivent même pas à dire aux autres, tu m'as fait du tort. Alors je suis venu te dire ce soir, la meilleure vie, prends ton temps et libère-toi. Il faut penser tes plaies. Il faut penser tes blessures. Il faut penser pour que toi-même tu sois légère ou léger pour mieux avancer dans la vie. Tu ne peux pas faire un projet pendant que tu as le cœur lourd. Et si tu es en train de faire le projet, tu es en train de l'écrire. Et tu te souviens que hier, ta belle-mère, elle t'avait fait du tort. Ou puis on avait traité ta mère de tout. Parce que aujourd'hui, comme elle a vieilli dans la famille, c'est elle qui est la sorcière. Mais mon frère, tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Même si un jour quelqu'un avait dit que ta mère était quoi que ce soit, ou ton père était ça, c'est vrai, ça ne se pardonne pas. Parce que c'est ma mère, ou bien c'est la mère de quelqu'un. Mais devrais-tu continuer avec ça? Non. Il y a du meilleur que tu dois apporter. Il y a des choses meilleures que tu devrais faire, que tu sais faire. Mais cette douleur-là reste au fond de ton cœur.
Alors, te voyant en train d'écrire, quand ça te passe dans la tête, tu poses les stylos et tu perds tes idées. Il ne faut pas stopper sa vie à cause de toutes ces choses-là. Il ne faut pas stopper sa vie parce que tu as été mal hier. Prends ton temps et libère-toi. Prends ton temps et pose ce qui t'avait fait du tort hier. Prends ton temps et pose ce qui t'avait arraché ta joie hier. Poser les choses ne veut pas dire forcément on a oublié carrément. Oui, ça veut dire se libérer. Mais veut dire que ce qui t'est arrivé hier normalement doit être un conseil pour toi. Ce qui t'est arrivé hier devrait être un conseil pour toi. Si tu l'as gardé, ce serait mieux que tu le remettes sur table pour qu'il devienne un conseil. Pour que ça soit, tu sois une personne meilleure demain. Soyons des personnes fortes. Le monde d'aujourd'hui là, je n'ai pas connu le monde de mes parents, mais dans le monde d'aujourd'hui où nous sommes, où les réseaux sociaux sont devenus un champ, en fait, une jungle, et des je ne sais pas quoi dire d'autre, nous devons nous armer de force et de courage et nous libérer au maximum des anciennes douleurs. Parce que chaque fois que tu vivras, il y aura de nouvelles choses qui vont venir dans ta vie. Il y aura des personnes qui vont te titiller. Il y aura des personnes qui vont traduire mal ce que tu aurais dit. Il y aura des personnes qui vont venir, en fait, te toucher dans ta chair. Il y aura des personnes qui vont venir te blesser jusqu'à même ton honneur, ta dignité. Ils vont la bafouer. Mais tu dois rester fort. Tu dois rester courageux. Et tu dois te penser tous les jours. Ça veut dire qu'une fois que tu reçois cette douleur-là, ou bien une blessure, assieds-toi et réfléchis. Prends un bon verre d'eau, bois. Ah bon? C'est à moi qui l'a fait ça? D'accord, il n'y a pas de problème. C'est un conseil. Cela veut dire que la prochaine fois, quand je verrai un semblable, si je t'avais salué avec la main gauche, je vais plutôt saluer avec la main droite. Ça m'évitera peut-être des histoires. Et donc, ce qui nous arrive dans la vie doit pas rester intérieurement en nous, mais on doit les utiliser comme des conseils pour avoir une vie meilleure. Parce que le cheminement est long. Personne ne sait quand il part. Alors, si tu veux garder tous les jours de ta vie, tout ce que quelqu'un t'a fait dans le cœur, je suis sûr que tu n'iras pas plus loin et la maladie sera ton meilleur ami. Quelqu'un a ôté la vie à ton enfant. Je comprends que ce n'est pas facile. Comme tu me l'as dit, libère-toi. Quelqu'un t'a pris ta femme. Comme tu l'as dit, libère-toi. Ce qui n'est pas pour toi ne reste pas dans ta vie. Ce qui n'est pas pour toi ne restera jamais dans ta vie. Si c'est pour toi, ça reste. Si c'est pas pour toi, ça part. Tu peux beau pleurer, mais n'oublie pas que tu dois te libérer. Parce que la vie continue. À avoir plusieurs plombs dans ton pied, ça finira par te bloquer dans la chaise et tu ne pourras plus bouger pour devenir une personne que tu avais rêvé de devenir dans ta vie. Or, pour pouvoir avancer, il faut être une personne légère, une personne mobile, une personne qui est prête à accepter les coups de la vie. Ne pas rendre, mais en faire des conseils. Vous verrez des personnes qui sont devenues violentes vers la fin parce qu'ils n'ont pas su se libérer. Vous verrez des personnes qui passent au quart de tour dans la violence parce qu'ils ont eu des douleurs d'hier. Des personnes qui n'ont pas pu se soigner. Des personnes à qui on n'a pas pu donner la parole un jour. Des personnes qui ont souffert à côté de nous, mais on n'a pas regardé autour de nous. On ne voyait personne. On pensait qu'à soi, c'est important. Mais des fois dans la vie, il faut beaucoup se libérer. Mon message de ce soir, c'était ça. Apprenons à nous libérer de nos blessures pour mieux avancer dans la vie. Je l'ai dit autant facilement, mais quand tu reçois les douleurs, ce n'est pas facile d'accepter. Et ça devient une partie intégrante de ta vie. Mais est-ce que tu voudras continuer toute ta vie à ressasser ça? Je crois que non. Alors je suis venu te dire, il faut te pardonner à toi. Il faut te libérer. Tu es appelé à de grandes choses. Tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à faire des choses tellement importantes que ce qui t'a fait du tort hier. Si hier on t'avait dit, comme je te dis, que tu ne serais rien dans la vie, mais bats-toi pour devenir quelqu'un dans la vie. Moi, personnellement, moi, Diane, on m'a dit un jour que ta mère n'est rien. Toi, tu vas devenir quoi? Mais là, je ne suis rien devenu. Mais je suis là. Donc, quand quelqu'un touche, quand quelqu'un t'offense et il touche à ton cœur, il prend le bâton et chicote ta chair pour atteindre ton cœur, oui, ça fait mal, mais ça ne doit pas être une douleur éternelle. Ça
Ça doit être un conseil. Et ce conseil-là doit t'accompagner tout au long de ta vie. Je sais que tu as mal. Je sais que tu as souffert. Je sais que tu as eu une enfance certainement difficile. Je sais qu'on t'a pris la plus belle de tes choses. Je sais que quelque part tu as été violée. Je sais que des choses que tu n'as pas voulu. Ta tante t'a pris, elle a voulu te mettre à l'école. Elle a dit à tes parents que je vais mettre l'enfant à l'école. Arrivé à Bigan, elle t'a jamais scolarisé. À cause d'elle aujourd'hui, tu es devenu analphabète. Je te comprends. Je n'irai pas te dire, libère-toi tout de suite, non. Mais attends ton processus. Entends ton processus de guérison. Parce que si tu ne guéris pas, ça sera pire que ça. Et tellement les années passent vite. Le temps que tu prends aujourd'hui à ruminer toutes ces choses-là, c'est qu'une perte de temps. C'est qu'une perte de temps. Alors libérons-nous, mes chers frères. Libérons-nous au maximum. Pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du tort. Pardonnons-nous à nous-mêmes. Parce qu'il fut des moments où on ne se pardonnait pas. Où on était là, on voulait forcément en découdre. Mais le temps d'aujourd'hui n'est plus en découdre. Il faut être juste et simplement soi-même. Apprendre à se connaître. Apprendre à éliminer beaucoup de choses dans notre vie. Apprendre à éliminer beaucoup de choses dans notre cœur. Avoir le cœur aussi libre pour pouvoir rentrer dans notre bénédiction. Avoir le cœur libre pour pouvoir mettre des projets sur pied. Apprendre à avoir le cœur libre pour pouvoir étudier comme peut-être tu l'as voulu hier. Apprendre à avoir le cœur libre. Parce que la personne qui t'a fait du tort ne se rend pas compte qu'un jour t'avait vexé. Mais il n'y a que toi seul qui l'a en cœur. Alors pourquoi continuer de garder ça pendant que la personne ne te voit pas? Nous sommes venus sur la terre des hommes. Ce n'est pas pour venir prouver quoi que ce soit à qui. Mais des fois, je comprends, quand on t'a touché dans ta chair, il y a des choses que tu n'as pas envie de laisser. Il y a des choses que tu as même envie de mourir. Il y a des personnes même qui sont allées jusqu'à avoir des comportements un peu pas bien vers ces personnes qui leur ont fait du tort. Je ne juge pas. Parce que chacun reçoit ses coups de la vie comme il le sent, en fait. Mais seulement, mon message de ce soir, il faut te libérer. Il faut te penser. Il faut te guérir. Il faut te donner une autre chance. Il faut te donner encore cette force mentale-là de pouvoir rebondir. Il faut te donner encore ce physique-là que tu avais hier, de combattant, bien de combatif, ou bien de combattante, de pouvoir aller de l'avant. Il faut te guérir, chérie. Si tu me regardes ce soir, tu peux emmener la vidéo à quelqu'un. Quelqu'un peut-être aujourd'hui qui est en train d'être dégradé par tout ce qui lui sont arrivés hier. Quelqu'un qui est en train d'avoir mal ou quelqu'un qui continue d'avoir mal parce qu'on lui avait refusé la belle chose de sa vie. Ou quelqu'un qui a été trahi. Quelqu'un qui a fait confiance et on lui a arraché mais tout ce qu'il pouvait avoir. Emmène cette vidéo à la personne et dis-lui qu'elle apprenne à guérir. Qu'elle apprenne à penser ses blessures pour pouvoir être meilleure demain. Qu'elle apprenne à se pardonner. Et qu'elle apprenne à développer quelque chose de plus important que toutes ces choses qu'elle a amassées dans son cœur. Parce qu'en amassant toutes ces choses, il n'y a pas d'avancement. Ce n'est qu'une douleur et ressassement du passé. Ce n'est que des choses qui n'ont pas de sens. Ce n'est que prise de tête. Pourtant, ton cerveau doit être off maintenant, on maintenant, pour pouvoir faire des grandes choses. Alors, si tu me prends en ligne, je suis Diane de la Force, l'intrépide. Ta sœur, celle qui ne recule devant rien. Jamais reculer, peu importe ce qui arrive. Je dis toujours, il y aura toujours des choses que tu veuilles ou pas. Que ce soit dans ta famille, que ce soit entre tes amis, que ce soit tes ennemis. En tout cas, il y aura toujours des choses. Mais devant des choses, il faut trouver des situations. Il faut trouver comment se couvrir. Il faut savoir comment se protéger pour ne pas que tu sombres dans la douleur, dans la détresse et dans le stopper sa vie en fait. Peu importe ce que tu vis,
Sache que tu n'es pas seul. Il y a plusieurs personnes qui vivent la même chose. Il y a plusieurs personnes qui vivent ces douleurs, mais qui se battent tous les jours pour devenir meilleur. Alors toi, tu peux devenir meilleur. Tu as été blessé, libère-toi pour rentrer dans ta bénédiction. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, très bien. Apprenons à lire. La lecture fait du bien. La lecture fait beaucoup de choses. Apprenons à nous donner la chance de rentrer dans notre bénédiction. Vous savez, Dieu, il bénit là où la terre est plate. Dieu bénit le cœur qui est léger. Dieu ne bénit pas le cœur chargé. Hein? Dieu ne bénit pas le cœur chargé. Dieu bénit le cœur libre. Quand le cœur est libre, Dieu vient s'aimer là. Mais quand le cœur est lourd, Dieu ne s'aime pas là. Alors si tu es croyant, si tu crois en Dieu, si tu sais que c'est ton Créateur, libère-toi et il viendra s'aimer dans ta vie. Ce que tu as toujours voulu là, il va apporter. Si tu crois en Dieu, il faut penser tes blessures. Il faut te séparer de toutes ces choses qui t'ont fait du tort hier. Notre Créateur viendra s'aimer dans ta vie. Toi-même, tu seras tellement surpris de sa sémence là, de tes récoltes que tu vas te demander. Mais est-ce qu'il s'agit bien de moi? Oui, il s'agit de toi parce que tu t'es libéré. Tu te redonnes une chance, tu t'es revitalisé. Et notre Dieu est amour, s'il nous pardonne. Vous croyez que notre Seigneur n'a pas été blessé? Oui, il a été blessé. Mais il a pensé ses blessures pour pouvoir nous pardonner, nous. Alors, qui sommes-nous pour ne pas nous penser, pour penser aussi la plaie de nos frères qui nous ont fait tort, du tort hier? Je vais réitérer mon propos, je te comprends. Tu as été blessé. C'est dur, je te comprends. Mais pardonne-toi toi-même pour entrer dans ta bénédiction. Pardonne-toi-même. Pardonne-toi toi-même pour entrer dans ta grâce. Si tu ne te pardonnes pas, tu verras ta grâce. J'ai pas de mots. J'ai juste à te dire, dans la vie, quel que soit ce qui t'arrive, il faut te libérer le cœur. Il faut te penser pour pouvoir entrer dans ta bénédiction. Diane de la Force, l'intrépide de votre sœur. J'espère que ça vous a plu. Bonsoir Valérie, ma chérie. Pense ta douleur. Pense tes plaies, ma chérie, pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Je sais qu'on t'a fait beaucoup de tort. Toi et moi, on en parle souvent, je sais. Mais nous sommes sur la terre des hommes. Il y aura toujours des choses. Alors pensez nos douleurs. Pensons nos douleurs. Pardonnons-nous. Oublions certaines choses. Parce que Dieu ne s'aime que là où la terre est simple, où la terre est plate. Si le cœur est cabossé comme ça là, il n'y aura pas de bénédiction. Tu peux compter sur moi. J'ai fait l'expérience. Je suis un exemple vivant. On ne m'a pas tranché le cou ou bien on ne m'a pas fait des choses pires. Mais il y a eu des choses au moment où tu croyais, où on t'a trahi. Mais toi-même, franchement, tu n'as pas cru. Mais je ne voulais pas l'essayer. J'ai dit non, c'est pas possible. Pas moi, Diane. Mais j'ai compris avec le temps que si je ne me faisais pas de la place dans le cœur, je n'allais pas recevoir la bénédiction de Dieu. Je n'allais pas rentrer dans ma grâce. Alors j'ai fait de la place. Avant même de libérer, c'était compliqué. Parce que mes nerfs, en tout cas mes tout, étaient ficelés sur cette colère-là. C'était une bonne boule comme ça. Mais petit à petit, j'ai essayé de l'enlever comme ça. Pour ne pas que ça gangrène mon cœur, ma chair. J'ai libéré. Et aujourd'hui, je suis là. Alors, je vous demande pareil. Libérez-vous. Pensez vos blessures pour rentrer dans vos bénédictions, pour réussir votre vie et dans la vie. Parce que vous êtes des personnes tellement bien. Alors, une personne bien qui est créative de Dieu doit rentrer dans sa bénédiction. Sur ce, je vous embrasse très fort. La vie ne te fera pas cadeau. La vie, tu n'es pas venu sur cette terre pour assister à ce que la vie t'apporte des roses, que la vie t'apporte des bonbons, ou bien la vie te fasse des caresses. Tu es venu sur cette terre pour résoudre des problèmes, accepter des coups et rendre des coups à la vie. Alors, ne t'abandonne pas, peu importe ce qui arrivera. Sois sûr et certain que le combat va continuer. Tu ne baisses pas les bras et pense tes blessures pour pouvoir y arriver.
Quand tu penses tes blessures, c'est sûr que ta bénédiction sera grande. C'est sûr que tu pourras faire face à de grandes choses. C'est sûr que tu pourras affronter des gens dans le futur. Si tu es appelé à faire des grandes choses, c'est sûr que les petits coups de la vie que tu viens de recevoir n'ont rien à voir de la vie d'un chef d'entreprise qui vient de perdre plusieurs argent de la bourse. Ça n'a rien à voir de quelqu'un qui va construire sa maison et un matin, il va le trouver. Il va trouver la maison sous les eaux, comme Abidjan le voit aujourd'hui. Ce n'est pas la même douleur, mais je te comprends. Il faut te séparer de ça. Sépare-toi de ça. Sur ce, je vais te dire à mardi prochain. Merci beaucoup de m'avoir écouté et pensons nos blessures, en tout cas pour devenir meilleurs dans la vie et pour recevoir nos bénédictions. Parce que notre Dieu n'attend que ça. Libère-toi et ta bénédiction avant cette fin d'année-là. Tu rentreras dans le nom de Jésus. Alors, Justin Stanislas, on vient de me dire qu'il n'est pas mort, qu'il vit. Pendant que j'ai vu des rips sur la vie, sur les réseaux sociaux, vers la fin, je ne sais pas où on en est. Mais ce n'est pas encore grave. Pour moi, je vais me renseigner. S'il est encore en vie, c'est une grâce. Gloire à Dieu. Mais s'il n'est plus de ce monde, que notre Dieu le reçoive dans la paix et qu'il lui donne sa place qu'il mérite. Et surtout, que c'était un grand artiste, un artiste ne meurt jamais. Donc, je vous demande d'être des artistes, de faire des choses, de mettre des choses sur pied pour ne pas que demain, vous partez de ce monde sans que vous ne laissiez une tâche indélébile. Alors, pour ma part, je vous embrasse très fort, que la paix de Dieu soit avec tout le monde et je vous dis à mardi prochain. Surtout, n'oubliez pas, pensez vos blessures pour rentrer dans vos bénédictions. Bonne soirée à tous. Et bon week-end, que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Justin Stanislas. Bonne soirée à tous. Natoua.